Tenez, madame, jugez-en vous-même, voici de quoi il est question. C'est une dame de 35 ans, qu'on dit jolie femme, estimable et de quelque distinction, qui ne déclare pas son nom, qui dit que j'ai été son procureur, qui a 15 000 livres de rente, pour le moins, ce qu'elle prouvera, qui a vu monsieur chez moi, qui lui a parlé, qui sait qu'il n'a pas de bien et qui offre de l'épouser. Et la personne qui est venue chez moi, de sa part, doit revenir tantôt pour savoir la réponse et vous mener tout de suite chez elle. Cela est-il net? Y a-t-il à consulter là-dessus? Dans 2 heures, il faut être au logis. Bah, ai-je tort, madame? C'est à lui de répondre. Eh bien, à quoi pense-t-il donc? Ben, viendrez-vous? Non, monsieur, je ne suis pas dans cette disposition-là. Quoi? Entendez-vous ce que je vous dis? Elle a 15 000 livres de rente! Entendez-vous? Oui, monsieur, mais en eût-elle 20 fois davantage, je ne l'épouserai pas. Nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris. J'aime ailleurs. J'ai le cœur pris. Ben voilà qui est fâcheux. Le cœur est admirable. Je n'aurais jamais deviné la beauté des scrupules de ce cœur-là. Qui veut qu'on reste intendant de la maison d'autrui pendant qu'on peut l'être de la sienne? Est-ce là votre dernier mot, berger fidèle? Je ne saurais changer de sentiment, monsieur. Le soqueur, mon neveu. Vous êtes un imbécile, un insensé. Et je tiens à celle que vous aimez pour une guenon si elle n'est pas de mon sentiment. Ben, n'est-il pas vrai, madame? Et ne le trouvez-vous pas extravagant? Ne le querellez point. Il paraît avoir tort, j'en conviens. Comment, madame? Il pourrait faire un tas de choses. Mais dans sa façon de penser, je l'excuse. Voyez, pourtant, Dorante, tâchez de vaincre votre penchant, si vous le pouvez. Je sais bien que cela est difficile. Il n'y a pas moyen, madame. Mon amour m'est plus cher que ma vie. Car toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le comte. Déterminée, madame? Oui. Tout à fait résolue. Le comte croira que vous y avez contribué. Je le lui dirai même, mais je vous garantis que vous resterez ici, je vous le promets. Quelle différence pour moi, madame? Il n'y en aura aucune. Ne vous embarrassez pas. Et écrivez le billet que je vais vous dicter. Il y a tout ce qu'il faut sur cette table. Et pour qui, madame? Pour le comte. Qui sortit d'ici extrêmement inquiet et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. Eh bien, vous n'allez pas à la table? À quoi rêvez-vous? Oui, madame. Êtes-vous prêt à écrire? Je ne trouve point de papier, madame. Vous n'en trouvez point? Voilà devant vous. Il est vrai. Écrivez. Hâtez-vous de venir, monsieur. Votre mariage est sûr. Avez-vous écrit? Comment, madame? Vous ne m'écoutez donc pas. Votre mariage est sûr. Madame veut que je vous l'écrive et vous attend pour vous le dire. N'attribuez point
cette résolution à la crainte que madame pourrait avoir des suites d'un procès douteux. Je vous ai assuré que vous le gagneriez, madame. Douteux, il ne l'est point. N'importe. Achevé. Non, monsieur. Je suis chargée de vous assurer que la seule justice qu'elle rend à votre mérite la détermine. Mais madame, vous m'aviez assuré que vous n'aviez point d'inclination pour lui. Achevé, vous dis-je. Qu'elle rend à votre mérite la détermine. Je crois que la main vous tremble. Vous paraissez changé. Qu'est-ce que cela signifie? Vous trouvez-vous mal? Je ne me trouve pas bien, madame. Quoi? Si subitement, cela est singulier. Pliez la lettre. Et mettez à monsieur le comte Dorimont. Préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimé, moi? Non, madame. Son état est bien au-dessus du bien. Mon respect me condamne au silence, et je mourrai du moins sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Je n'imagine point de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus des comparaisons. Ah, dispensez-moi de la louer, madame. Je m'égarerai en la peignant. On ne connaît rien de si beau et de si aimable qu'elle. Et jamais elle ne me parle ou ne me regarde que mon amour n'en augmente. Votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez ? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous? Le plaisir de la voir quelquefois. Et d'être avec elle est tout ce que je me propose. Avec elle? Oubliez-vous que vous êtes ici? Je veux dire avec son portrait, quand je la vois pas. Son portrait? Est-ce que vous l'avez fait faire? Non, madame. Mais j'ai par amusement appris à peindre et je l'ai peinte moi-même. Je me serais privé de son portrait si j'avais pu la voir que par le secours d'un autre. Il faut le pousser à bout. Montrez-moi ce portrait. Oh, daignez-moi dispenser, madame, quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en est tombé un par hasard entre les mains. On l'a trouvé ici. Voyez si ce ne serait point celui dont il s'agit. Cela ne se peut. Il est vrai que la chose serait assez extraordinaire. Examinez. Oh. Madame, songez que j'aurais perdu 1000 fois la vie avant d'avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrais-je expier? Il se jette à ses genoux. Dorante, je ne me fâcherai point. Votre égarement me fait pitié. Revenez-en, je vous pardonne. Madame, de tout le temps de ma vie que je vais passer loin de vous, je n'aurai plus que ce seul jour qui m'en serait précieux. Il n'y a pas moyen de rendre, il faut se quitter. Hélas, madame, que je vais être à plaindre. On sait que vous m'aimez, l'on croirait que je n'en suis pas fâchée. J'ai tout perdu. J'avais un portrait et je ne l'ai plus. Mais à quoi vous sert de l'avoir? Vous savez peindre. Je ne pourrais de longtemps m'en dédommager, madame. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Madame, je vais être éloigné de vous. Vous serez assez vengée. N'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait. Mais songez-vous que ce serait avoué. Que je vous aime. Que vous m'aimez? Quelle idée, madame. Qui pourrait se l'imaginer? Mais voilà pourtant ce qui m'arrive.
Je ne sais plus où je suis. Vous direz votre choix. Levez-vous. Dorante.